father. My blood is father's son. My soul is father's spirit. While I'm dying in the sun, I'm knocking on heaven's door, screaming to get out, out of the history of guilt, where I'm not allowed to doubt. Yeah, this is the dead end for the pain, the hell for all our fears. Put the nails out of the cross and walk across my tears. An asylum for insane, where no one is to blame. Je veux réellement que vous sachiez comment c'est à l'intérieur des enfants autistes. Sans aborder l'écriture, nous avons, disons, une telle peur sans pareil. Peux-tu t'imaginer comment c'est de vivre dans un système social qui te déclare fou pour toujours? C'est l'incarnation de tels excès de méchanceté élémentaire que l'on ne peut pas le décrire. La connaissance de tels excès nous montre que notre système ne peut pas être bon. Je veux que chacun sache que les enfants autistes ne sont pas imbéciles, comme on le présume souvent. Sans écrire, je ne suis pas un vrai être humain. Car c'est le seul moyen d'expression dont je dispose. C'est en plus la seule voie pour démontrer ce que je pense. Je le fais, mais c'est encore très difficile. Presque un tour de force, je trouve. Une angoisse dont je souffre le plus est l'angoisse de pouvoir survivre une journée. Parler fait du bien. Le hurlement est bestial. Pourquoi ne puis-je pas arrêter? Tout simplement tout dire, en termes simples. Maintenant seulement, je compose un chant sur la joie de pouvoir parler. Un chant pour les autistes muets, à être chanté dans les asiles et les maisons de fous. Des clous plantés dans les fourches des branches sont les instruments. Je chante cette chanson depuis la profondeur de l'enfer, et j'appelle tous les muets de ce monde. Faites de cette chanson votre chant. Faites fondre vos murs de glace et refusez d'être exclus. Nous voulons être la nouvelle génération des muets. Une troupe avec ses chants et ses chansons nouvelles, telles que ceux qui parlent n'auront jamais oui. Parmi tous les poètes, je n'ai pas trouvé de muets. Ainsi, nous voulons être les premiers, et nos chants ne peuvent être ignorés. J'écris des poèmes pour mes sœurs muettes, pour mes frères muets. Qu'on nous entende et qu'on nous donne une place à vivre parmi tous dans une vie de cette société. Glacial est le monde extérieur, mais à l'intérieur, il fait tout chaud. Je vis sans moi, dans un gigantesque cratère volcanique bien réel. Je souffre moi plus de mes éclats. Je les vis toujours comme un échec monstrueux, et après, je n'en suis sans doute pas avancé pour autant. Je ne veux plus de ces crises. Je suis tellement compulsif, parce que j'ai entendu aujourd'hui que je dois aller dans un foyer parmi les autistes pour toujours, et j'y serai enterré, totalement seul. J'ai plus que jamais envie de vivre sans aide. Je veux tout faire pour y arriver. Je suis prêt à en finir avec l'autisme. Je l'exécute. Tu n'as aucune idée d'une vie dans un isolement absolu. C'est plus grave qu'un emprisonnement ou qu'une prétendue détention. Je me noie dans la solitude. Je préférerais pleurer comme des personnes censées être importantes, mais cela n'est pas possible. C'est comme un être minéral qui me tient prisonnier et considère la tristesse comme un risque de sécurité. C'est comme un anneau de fer autour de ma poitrine. Je suis visiblement fou. C'est ennuyeux. Mais je ne le supporte tout simplement pas. Tout le monde préfère un être humain qui est propre et également aimable. Je suis en train de me frayer un chemin vers le service des rejetés, particulièrement dingue de la psychiatrie. Personne ne m'aime plus dans ce foyer. Malheureusement, je bousille tout. Chaque bruit déclenche en moi une douleur. Je suis beaucoup trop autiste. Rien ne peut me sauver. Je ne crois à rien, ni à personne. Je veux mourir et reposer en paix éternelle. Dans les confrontations, je ressens à quel point je suis terrible. Je ne peux plus. Je ne peux que crier. Je deviens même fou. Je veux être seul. C'est absurde de croire à une guérison. C'est absurde de croire que les autistes sont moins intelligents que les autres extraordinaires muets. Nous ne pouvons pas parler,
parce que notre agitation intérieure est extraordinaire, même énervante. Il y a là une agitation qui est indescriptible et qui ne peut être que sans expression appropriée parce que les hommes extérieurs ne la connaissent pas et n'ont pas pu lui donner une désignation. Je l'appelle « bas-fond de la puissance de l'agitation ». J'ai rarement des moments sans cette agitation. De toute ma mémoire, cette agitation existe avec une puissance que personne ne peut comprendre. Cela me rend presque dingue. Un jour, je croyais qu'un évanouissement s'emparait de moi quand j'étais plus petit. Les stéréotypies pouvaient soulager un peu. Maintenant, rien n'y fait plus à part l'écriture. Et je suis content que vous m'écoutiez. Et je veux tout dire de ce qui peut permettre sur ce plan de maîtriser le handicap. Je travaille sur moi, pour apprendre à distinguer les réelles perturbations des phénomènes secondaires. Je m'applique à tout reproduire, avec précision en phrases et en formulations claires. Pour des raisons importantes, je veux dire à ce Birger, excessivement capricieux, que cela ne peut pas continuer ainsi. Un point final sera mis et une issue s'ouvre. Je me sépare de cette non-personne autiste, détruis les racines me reliant à ma petite enfance et retourne aux sources optimistes. Je m'insère dans la ronde des hommes qui cherchent à vivre en paix et qui construisent un monde vraiment bon qui ne nuira à personne. Et je veux contribuer à l'établissement d'une recherche sur l'autisme pour faire sortir toujours plus de personnes de leur existence en coffre. Je m'efforce de prouver totalement, dans la seule institution d'erreur complètement confuse, que je suis capable de penser totalement comme mes proches, d'une manière qu'ils ne croient pas possible. Ils ne voient que mon bouclier autistique extérieur, jamais mon être réel. Le peuple uni, émancipé, terrestre, marginal des autistes élève la voix. Nous sommes des êtres humains, traitez-nous comme des êtres humains, avec dignité, et respect, et compréhension. Chacun doit pouvoir aimer les hommes en coffre, car leurs âmes sont limpides et innocentes, comme les enfants lors de leur naissance. La méchanceté d'une société aux apparences inhumaines n'a jamais touché leur noyau profond. Leur petit monde est comme une île dans une mer violente. Je dois apprendre à pleurer. Comment supporter sans larmes les douleurs qui ravagent mon intérieur ? Je compose un chant pour les blessures dans les îles de tristesse solitaires qui prolifèrent. Je veux anéantir avec des larmes ta douleur, renaître, trouver le calme. L'eau me ruisselle sur le visage, des larmes de douleur, des larmes au milieu du désert. Île de tristesse. Toujours ce cri corrosif impie, unique, sortant de gorges pleurantes, desséchées, insatiables îles intérieures de tristesse, des blessures toujours suppurantes, jaillissant de mille sources intérieures. De mille sources intérieures couleront des ruisseaux d'eau et s'écouleront les sagesses intérieures lucides des îles. Une eau de guérison se déverse sur les blessures. Je veux rester autiste et vivre en tant que fou dans une société qui a du mépris pour nous, les âmes. Je ne veux plus faire d'efforts considérables pour des échecs. Je veux tout atteindre dans un bref délai. Dans mon imagination, je peux tout. Mais en réalité, rien n'en sort. Maintenant, je ne veux plus jamais faire plus que je ne peux. Écrire simplement. Aller seulement à l'école. La peur des hurlements est trop grande. J'aspire à plonger dans la septuple vie sauvage totale. We didn't try to think too much. I was down just by a touch. Chaque chose, je suis pas un enfant comme les autres. Hein. Ça veut dire que je suis un peu différent. Je suis pas différent comme les autres. Out of the history of guilt, where I'm not allowed to doubt. Je suis pas comme les autres parce que les autres enfants sont pas autistes. C'est pour ça que, voilà. Et c'est quoi la différence ? La différence, c'est d'avoir plein de choses, voilà. Parce que, il y a aussi des autres autistes qui ne voient pas un peu bien aussi.
Et aussi qu'ils ont des jambes cassées. Il y a des personnes qui ont des... Il y a des personnes qui... Il y a des gens qui, par exemple, il y a des gens qui ne parlent pas. Et comment ils sont, tes petits camarades avec toi qui sont pas autistes, comme tu dis? Les camarades, ils sont pas autistes. Ouais. Et t'en as des copains, toi, à l'école? Oui. Oui. Il y a des copains qui aiment bien, qui j'aime bien. Ça les gêne pas que tu sois autiste? Ouais. C'est comme ça. Tes petits copains, que tu sois autiste, pour eux, est-ce qu'ils voient une différence ou pas? Parce que quand on te voit comme ça, il n'y a pas de différence pour nous. Hein? Ouais, des trucs comme ça. Il n'y a rien à faire. Et c'est dur d'être autiste? Ça te fait mal des fois? C'est compliqué? Ouais, c'est compliqué d'être autiste. Pourquoi? Parce que c'est pas... C'est dur, voilà. Parce que je voulais pas être autiste, mais... Ouais, c'est comme ça. Comment j'ai appris l'autisme? Yann, c'est un enfant quand même qui était différent dès la naissance, on va dire. Mais on ne savait pas, on ne trouvait pas, on se disait, bah tiens, il se comporte bizarrement, il a des difficultés à être avec les autres, il ne parle pas. Et donc on a été voir un pédopsychiatre qui, au bout de 3-4 consultations, il m'a fait comprendre, entre guillemets, qu'en fait ça venait pas de lui, mais ça venait plutôt de moi, que j'étais une mère un peu... comment on appelle ça? Le meilleur réfrigérateur, le meilleur frigo. Voilà, c'est ça. Et qu'en Yann, oui, il avait des difficultés, mais c'est un enfant comme les autres, et qu'il fallait plutôt se pencher sur mon cas et aller chercher éventuellement, quand j'étais enfant, si j'étais maltraitée, si, enfin bref, des choses un peu aberrantes, quoi. Et donc, on a arrêté ça. Et après, ben, mon mari, on a décidé de déménager par rapport à son travail. Donc, et rebolote à la maternelle. C'était la troisième année de maternelle. On nous a dit, votre gamin, il a des soucis. Il a du mal à s'exprimer. Et puis, il a un comportement un peu agressif quand même. Donc, peut-être aller voir la psychologue scolaire pour voir pourquoi il se comporte comme ça. Et du coup... on a été voir la psychologue qui, elle a quand même commencé à avoir un petit doute. Et c'est la première fois, en tout cas, qu'on a entendu le mot autisme. Et là, d'accord. Et je me suis dit, pourquoi pas? Parce que du coup, après, ce qu'elle me disait, elle me dit, oui, effectivement, il se comporte comme ça. Il a du mal à être avec les autres. Il crie parfois. Il veut pas aller dans les supermarchés. Il veut pas aller où il y a beaucoup de monde. Et je dis, ben oui, peut-être que ça peut être ça. Et du coup, là, ça y est, le parcours du combattant a commencé. Il va falloir qu'on fasse avec. Il va falloir qu'on vit avec. Et qu'on trouve comment faire pour l'aider. My prayers for the father. My blood is for the son. Lorsqu'on a pris le diagnostic autistique, oui, c'est une douche froide parce que je pense pour un papa, il voit l'avenir de son garçon, de faire des choses avec lui, de le projeter dans l'avenir, de réussir dans sa vie professionnelle, etc. Et de prendre conscience que ça, ça sera pas possible. On a du mal à l'avaler au départ, ça c'est une certitude. Bon, après, avec du temps, on prend sur soi et on essaye d'avancer, hein, pour dire que, eh ben, il a malgré tout le droit de vivre comme tout le monde, et puis on se bat pour, et le mot se battre, c'est le mot adéquat, hein, pour que de façon à ce qu'il puisse, entre guillemets, avoir une vie future où l'objectif c'est l'autonomie. J'ai vu des hôpitaux où il y a des enfants autistes qui sont mis dans ces établissements. Non, c'est pas faisable, quoi. Parce que qu'est-ce qu'ils leur font dans ces établissements? Bah, en fait,
c'est on les met dans des pièces où on les fait jouer, où ils ont des activités d'art plastique peut-être. Je sais pas trop en fait ce qu'ils font avec ces enfants, mais ce que je sais, c'est que les enfants qu'on a pu sortir de ces hôpitaux, ils savent rien faire. Ils sont complètement fermés, ils sont complètement dans leur bulle. Hein, et il y en a qui ne parlent pas, il y en a qui ne peuvent pas regarder l'autre. Voilà, quoi, on n'a aucune... par rapport à ce que je peux faire avec mon fils, là, c'est le trou noir, quoi. Donc, non. Et puis, après, on m'a dit qu'on donne beaucoup de médicaments pour les calmer, mais ce n'est pas des médicaments, là, qu'ils donnent. Je ne sais pas ce qu'ils leur donnent, mais... moi, je trouve qu'on les abrutit, ces enfants-là, ils sont abrutis, quoi. C'est sûr qu'ils sont calmes, mais même de trop, quoi. Si on veut avoir des résultats avec des enfants comme Yann, il faut vraiment les stimuler au maximum. Ça, c'est, je crois qu'il faut vraiment être clair là-dessus. C'est que c'est quasiment 24 heures sur 24. On est tout le temps en train de les stimuler, que ce soit dans le jeu, que ce soit dans l'école, que ce soit dans la vie quotidienne, à quelle heure on mange, à quelle heure on va se coucher. Ben, pour n'importe quelle personne, ben, ça coule de source, on va dire. En tout cas, un enfant apprend à travers les parents. Hein, ils suivent la même façon qu'ils ont les parents de faire dans la journée. Du coup, ils arrivent, c'est un peu inné, on va dire, qu'un autiste, pas du tout. On est vraiment dans l'apprentissage, mais de tout. Malheureusement, ce n'est pas les autres qui vont s'intégrer à l'handicap de Yann. C'est Yann qui doit s'intégrer à la société à laquelle on vit, quoi. Alors, est-ce que ça ne devrait pas être l'inverse ? Bah, en tout cas, moi, ça fait 22 ans que je habite en France. Je ne le vois pas. Mais dans l'idéal ? Ce serait bien. Mais encore une fois, c'est un peu utopique, là, je crois. Il y a beaucoup de chemin à faire avant qu'on en arrive là. Bah oui, je serai un peu plus outil sur le temps. Bah, jusqu'à la fin des temps. J'aimerais tellement dire à tout le monde comment je me sens à l'intérieur de mon mur autistique. Je prends surtout conscience de mes sensations nouvelles, affectueuses pour les êtres humains, même pour ceux qui ne m'aiment pas. Un calme durable, presque unique, me comble. Une joie et un optimisme. Je recherche toujours cet état et je l'atteins quelques rares fois. Une seule parole peut me faire rechuter. Maintenant, cet état est en pleine floraison. De quelle force destructrice est-ce que je dispose ? Enfin, vraiment idiot ce mécanisme. Je souhaite réellement mettre fin à ce jeu mortel. Je veux être utile pour autrui également et déclarer ce qui suit. Je peux être guéri. Sans doute aurons-nous besoin de beaucoup de dignité et de courage pour convaincre les autres que nous pouvons penser comme des humains et sentir comme les autres. Avec nous, cependant, naîtra une nouvelle génération d'autistes. Nous allons revenir des marécages du silence en poussant des cris. Je ne suis pas sûr de l'origine de ma maladie fâcheuse, inutile, autistique. Je pense que la cause se trouve sur le plan psychique ou mental, sans déficience organique. Souvent, j'ai l'impression d'avoir trop d'énergie en moi, qui répète sans contrôle des actes erronés, qu'alors je ne peux pas contrecarrer. En ce moment, les répétitions et les gestes compulsifs me tourmentent beaucoup de nouveau. Je n'arrive pas à trouver le calme. C'est absurde de croire que je suis un fou sans raison. Je suis un fou avec raison, ce qui est encore pire. C'est absurde de croire que je suis un excellent poète. Je n'écris que de la bouillie pour les chats, et celle-ci n'est pas bonne. J'en regrette, mais en ce moment, je ne me supporte pas, et je m'injurie moi-même, ce qui est nullement constructif et qui me fait régresser dans mon évolution. L'agitation me saisit toujours dans des moments où je ne l'attends pas.
je ne peux me libérer totalement que par l'écriture. Je vis tellement sous tension que j'explose souvent, ce qui signifie toujours des hurlements bestiaux. Sans crier, je ne peux plus rien faire. Cela limite tellement ma vie que je ne fais plus que rester assis dans une pièce quelconque. À la maison, je détruis notre vie familiale. Nous ne pouvons plus rien faire ensemble, et mes cris restent suspendus comme une épée de Damoclès dans chaque pièce. Je suis si heureux que les membres indiciblement soucieux de ma famille me supportent encore, et qu'ils aient même avec moi l'espoir que je puisse être sauvé de la plus profonde des profondeurs. Je remercie tous les êtres qui maintiennent en vie en moi l'espoir de pouvoir être libéré un jour de mon autisme. D'abord, je veux vous dire à quel point un Birger hésitant, qui disjoncte sans arrêt, vous a trouvé bienveillant aujourd'hui. Même un fils pauvre en tendresse et bête à manger du foin vous remerciera un jour généreusement de tout cela. Je ne l'oublierai jamais. Transformer l'impuissance démoralisante en force durable d'amour, c'est une merveilleuse tactique pour tenir le coup. Je vous en remercie. Un véritable papy ne meurt jamais. Il continue de vivre dans mon cœur, comme toujours. Et je ne l'oublierai jamais. Il était pour moi un sage important. Il est calme et détendu, et assimile les mots comme il le faudrait. Je l'aime beaucoup. Une seule parole dite avec amour peut faire guérir d'innombrables blessures, et un regard affectueux a un effet gigantesque, sans la moindre parole. Je trouve même que le regard de ses yeux définit une partie du caractère d'un homme. Mais les yeux sont méchants. Seul l'enfant Jonas est vraiment toujours affectueux. Un jour dans le métro, une femme me regardait affectueusement. C'était si merveilleux. J'y pense très souvent, tout plein de joie. Et je ne l'oublierai pas. Mais beaucoup de regards sont si difficiles à supporter et engendrent une souffrance sans égale. Un monde sans angoisse est si magnifique. Tout est sûr et lumineux. Des dimensions de joie, pas de joie extraterrestre, mais tout à fait terrestre. La joie de vivre, d'être aimé et d'aimer. Sans doute une insanité. Chacun vit l'amour, même les plus pauvres d'une bande d'autistes bons à rien. La puce à l'inimité me fait souvent douter. Mais maintenant, je vois de plus en plus clairement que je suis véritablement aimé. Je sens en moi les forces de l'amour, leur action bénéfique. Ces forces engendrent le remède même pour mon misérable être brut. Je recherche la véritable guérison de mon âme dans une grande expérience générale et extraordinairement profonde. Je suis sûr de trouver ma place dans la société normale, même s'il me faut encore beaucoup de temps. Je vous remercie d'avoir tenu jusqu'à la fin 100% à lire fermement mes explications. Vous vous trompez si vous croyez que je suis une grande personnalité. Je ne suis qu'une personne sans moi, qui est sortie de l'obscurité du monde des autistes pour entrer en contact avec des terriens humains de votre genre. Je ne peux cependant pas participer à votre vie, parce que mon monde me retient encore prisonnier. Je suis toujours à la recherche de l'issue menant vers vous. J'ai envie de faire des choses essentielles et me creuse la tête. Comment quelqu'un comme moi peut être libéré de cette captivité ? Écrire est mon premier pas pour sortir de l'autre monde, et je suis content que cela soit devenu un livre maintenant. Je vous souhaite une vie simple, mais intérieurement intacte, énormément riche en amour. Votre obscur non-humain, Birger. For the kingdom come, I don't feel ashamed for what I have done. You're the lovely one. Lovely one.